Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Manque d'amour. Tu reviens à ton mari, vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas l'amour. Pourquoi là? L'amour est indispensable, c'est la nourriture de l'âme. L'homme a besoin d'affection. Le corps physique se nourrit de pain. L'âme se nourrit de considération. Un monsieur dans sa famille, avec sa femme, une femme là et son mari, il ne se sent pas considéré, il ne se sent pas respecté. Il a une famine. Peut-être qu'il mange, peut-être que tu as une maison, mais ton âme ne se nourrit pas. C'est une famine. Après un certain moment, le ciel sur votre couple est fermé. C'est un ciel qu'on appelle un ciel des reins. Le ciel est fermé. Il n'y a pas d'amour. La nourriture de l'âme fait défaut. Le respect, la considération. Je vous ai dit que l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux paroles. Dans votre maison, c'est des blessures, c'est des souffrances. Ça, c'est pour les couples mariés. C'est une famine. Mais une famine d'affection, une famine d'attention, une famine de considération. Elle peut se manifester dans ta maison, dans ta famille, vis-à-vis des enfants. Un papa qui est là avec ses enfants, qui ne s'entendent pas. Tout est froid dans la maison. Votre maison, on dirait Robocop. Tu as rangé la maison. Il n'y a pas à manger là-bas. Papa n'écoute pas les enfants. Les enfants ne s'écoutent pas. Quand vous arrivez dans la maison, chaque enfant est sur son téléphone. Papa est sur sa télé. Maman est quelque part. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il y a une nourriture qui manque dans votre couple. Il y a quelque chose. Il y a un aliment qui n'est pas là. Il y a une famine. Il faut qu'elle s'arrête. Il y a des prières qu'on peut s'autoriser quand on a un ciel ouvert. Quand on a un ciel ouvert, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Au Père, merci pour la santé. Papa, ton fils veut ceci. Le ciel est ouvert. Les anges font ça comme ça. Quand le ciel est fermé, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne passe pas. Pour ouvrir un ciel, ce n'est pas des prières, des frimeurs. Oh Dieu, ma vie est compliquée un peu, hein. Viens dans ta grâce et dans ta miséricorde. Accorde-moi du travail. Attends, tu plaisantes ou quoi? Est-ce que tu connais la situation? Attends, mais tu t'amuses, tu prends la vie. Tu dois prier. Prie. Allez.